Aujourd'hui, la Team Kito, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je suis dans une école, mais j'ai un professeur qui est complètement fou, regardez. Je sais pas trop s'il se posait faire peur. En tout cas, je sais pas si c'est lui, mais il me fait super peur. Donc, il faut absolument que je m'échappe de l'école. Mais juste avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout, c'est vraiment super important, les amis. Surtout que là, on est plus de 200 000 abonnés. Objectif 300k, on est d'accord, non, objectif 300k. Allez, on va démarrer le hobby. Là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je sais pas si vous avez vu ma tenue, mais là, je suis en uniforme d'école. Franchement, ça me va super bien, non? Vous en pensez quoi? Allez, hop là, on grimpe. Bon, il y a le professeur qui est ici. À moins que ce soit peut-être le gentil professeur, celui-là, et que le méchant, il soit pas là, en fait. Donc là, on contourne tout ça. Et j'espère, les amis, qu'on va réussir à s'échapper de l'horrible école et de l'horrible prof, en fait. Donc, on continue. Et là, on se retrouve dans une classe. On va aller au checkpoint. Et là, je dois sauter sur des crayons. Sur un... Ok, un taille-crayon, une gomme, d'accord. On continue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez quand je fais des hobbies. Si vous avez des idées d'hobbies. En tout cas, moi, j'adore. Direction la porte. Bon, ok. Ouh, attendez, direction quoi là? Direction rien du tout, hein. Bon, j'ai compris. Il faut pas prendre la porte. Donc si on veut prendre la porte, il faut prendre une autre porte. Mais laquelle? Ça, c'est la bonne question. Je passe par où, les amis? Si là-bas, je finis dans le néant, clairement, je vais où, quoi? Il y a forcément un chemin. Il y a forcément un chemin quelque part. On va essayer de chercher ensemble. En tout cas, ici, je ne vois rien. Attendez, il y a une autre fille. Comment elle... Non, elle n'arrive pas à sortir, elle non plus. On est d'accord, on est complètement coincé. Donc là, le principe, je vous explique, c'est un... C'est comme un peu un escape game. Du coup, bah, je pense que là, clairement, il faut trouver la sortie, quoi. Mais je suis complètement coincé. Il doit y avoir un truc qui ressemble à une sortie, mais qui n'est pas une sortie. Peut-être les machines. Ça fait un truc. Ok. Je pense qu'il y a un chemin qui est caché quelque part. Je sais pas si vous avez déjà fait ce hobby, mais il faudrait que je le trouve quand même. Bon, si je tente la porte... Oui, d'accord. Bon, je finis vraiment dans rien du tout. Ils ont dit comme quoi les portes, elles sont fermées. Et que du coup, il faut chercher une autre porte, quoi. Par où je dois passer? Attendez, s'il vous plaît. Je suis pas toute seule ici et je galère à trouver la sortie. C'est quoi la porte? Oh, c'est bon, les amis, j'ai trouvé. C'est dans le frigo. Et oui, le frigo. Ouh là là, c'était trop compliqué. Il y a l'autre fille, est-ce que je fais une amie? Elle va nous rejoindre, c'est évident. Voilà, elle n'est pas encore arrivée. Bon, on va sauter de glaçon en glaçon. En tout cas, je me retrouve avec du lait. Je déteste le lait pour ceux qui savent, donc c'est horrible. Et hop là, on finit. Oh, regardez, il y a un poulet quoi. Je suis dans le frigo, dommage que je puisse pas en manger. Bon, on continue à sauter. Et là, oh là là, du gâteau. On monte l'échelle. Vous savez que là, en fait, je suis en train de faire le hobby. Mais que derrière moi, il y a Darkito qui est en train de se moquer de moi. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, Darkito, pourquoi t'es en train de te moquer de moi? Regarde, à cause de toi, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, dis-moi, quel est ton problème? Bah, en fait, c'est trop drôle parce que tu détestes le lait. Et là, depuis tout à l'heure, je te vois, tu regardes l'écran et t'as du mal avec le lait. C'est vraiment trop, trop drôle. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Bon, je saute de bouteille en bouteille. On atteint le checkpoint et on continue. Oula, on dirait des chewing-gums. C'est vraiment dégueulasse. Bon, on continue de marcher. Et puis, franchement, là. Vraiment, j'espère que je vais trouver la sortie parce que comme Narkito l'a dit, là j'ai le lait tout le temps devant moi. Vivement qu'on sorte d'ici, les amis. Vivement qu'on sorte d'ici, vraiment. Hop là, on monte à l'échelle. Et puis, on va aller au checkpoint. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'à chaque étape, il y a des personnes, vous savez, qui sont dans le film là, super connues. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on recommence. Cette fois-ci, on va sauter d'œuf en œuf. Hop là, les hop là. Enfin, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, les amis. Tout est moisi ici. C'est un frigidaire horrible. Et je suis obligée d'aller sur le verre. Comment je vais passer là de... Non, mais attendez, comment je vais y arriver? Bon, on va passer par ici, par l'œuf au plat. Oh, mais comment c'est possible, les amis? Là, je vais pas y arriver, non? Hop là, on saute. Ok, on saute. Ça, ok, c'est bon, j'ai compris. Et maintenant, comment je passe tout là-bas? Ok, oh mais regardez, c'est une illusion d'optique. En fait, ça fait rien, on tombe pas. Hop là, on monte jusqu'en haut, on va au checkpoint. Il y a encore un petit personnage, regardez c'est qui. Dites-moi si vous connaissez la ref. Dites-moi, qui c'est? Allez hop là, on continue. Ouh là là. Les amis, franchement, vous connaissez la poisse. Ben là, c'est la définition même de ce qui se passe pour moi. Alors, je crois qu'en fait, c'est transparent devant moi. Je vais dire une bêtise, mais je pense que là-bas, c'était transparent.
À moins qu'on doit en fait contourner. On va essayer de contourner. Hop là, on saute. On ne doit pas se prendre le bleu, c'est important. Et là, du coup, on continue. J'étais en fait du mauvais côté. Darkito est encore en train de se moquer de moi. Je vous le dis, je n'arrive pas à rester concentrée sur ce hobby. Parce qu'il ricane à côté de moi. Non mais n'importe quoi. Allez hop là, il y a encore le personnage. On comprend toujours pas pourquoi il y a toujours ce personnage là d'ailleurs. Et on passe de multiplication en division. Égal. Écoutez les amis, franchement, voilà, c'est l'école quoi. Bon, là, il faut absolument pas que je me prenne un gros objet dessus. Pas la pomme, pas le canard, s'il vous plaît, pas le canard. Et là, on monte et j'espère que je vais rien me prendre. Je croise les doigts. En tout cas, pour l'instant, ça va. Mais là, ça se rapproche. Et plus ça se rapproche, et plus j'ai de chances de perdre, en fait. Allez, vivement qu'on le valide. En tout cas, là, je vois la sortie. Donc, ça veut dire qu'on a réussi. Donc, c'est parti pour commencer cette course. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des gradins ici à mon œil. Je suis observée. Je pense à lui que je suis observée. Et on continue d'avancer. Bon, en tout cas, cet hobby, il est vraiment super dur, je trouve. Et hop là, on saute. Et on va au checkpoint et on continue de grimper. Hop là, et on saute. Et je pense que les amis, bientôt, on va s'approcher de plus en plus de la sortie. Donc là, on monte. Vous avez déjà fait ça, vous, quand vous êtes à l'école? Vous savez, les trucs là où on doit grimper à chaque fois, là, c'est horrible en plus. Hop là, on saute. Génial. Bon. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo, vous savez, avec Darkito en train d'escalader quelque chose. Allez, hop, là, on saute. Et il est en train de rigoler à côté de moi, en plus. Mais arrête de me faire perdre. Arrête, Darkito, vraiment, tu m'apportes la poisse, là. Regarde, fais deux fois à cause de toi. Eh oh, j'y suis pour rien, moi. C'est bon, c'est juste drôle. Comme si j'allais faire de l'escalade. Non, mais n'importe quoi. Les amis, on continue de grimper. Là, on grimpe de cube en cube. Et puis, j'aimerais vraiment pas finir dans la lave. J'allais dire, mais pourquoi j'ai fini dans la lave? Dès que je parle, en fait, bah, il se passe le truc que je veux pas qu'il se passe. Donc, on va essayer de plus parler. Non, je rigole. Je peux pas plus parler. Bon, cette fois-ci, on va aller au checkpoint. Et là, on essaye de passer l'étape des espèces de rondins en bois. Hop là, et direction la sortie. Enfin, la sortie. Et j'espère que bientôt, on a enfin fini ce hobby. Parce que, franchement, il faut absolument que je m'échappe de cet endroit horrible. Et de mon professeur complètement abominable. Donc là, il faut, à mon avis, que je saute de truc, en passant par ici. Et on va le checkpoint et on continue. Bah, c'est dégoûtant. Regarde, c'est des chewing-gums. Des canettes usagées en plus de ça. Oh, c'est horrible. Bon, on va monter par là. Et là, je pense qu'on se rapproche de la sortie petit à petit. On va le checkpoint, on fait le tour. Oh là là, non mais s'il vous plaît, les chewing-gums, quoi. Arrêtez, c'est horrible. Hop là. Ok, bon, on va grimper. Je commence à être essoufflée. Ok. On valide. Oh, un téléphone portable. Bon. On grimpe. Oh, regardez, c'est un jeu des fléchettes. Vous êtes déjà joué à ça? On valide. Ok. Maintenant, encore pire, on est sur des chips. Non, mais vraiment, c'est... Il y a plein de gens, ils laissent plein de nourriture ou quoi dans les écoles. Et hop là, on est arrivé. Wouh, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Les amis, que s'est-il passé? Je pense que je dois encore chercher une sortie. C'est un peu le principe de l'escape game. Oulala. Ok. Attendez. Suis-je en cours de neurologie? Ou de sciences, peut-être. De sciences. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de chaises qui sont en train de voler. Comment c'est possible? On va aller au checkpoint et on continue de marcher. En tout cas, cette grosse boule à côté de moi, elle me fait vraiment super peur. Mais on continue. Hop là, et c'est bon, on va valider le checkpoint. Et la direction, la prochaine étape, et on saute, comment je vais faire? Et hop là, c'est bon, voilà, c'était vraiment assez simple, cette salle-là, la salle des sciences, je valide. En tout cas, là, ça va être un peu plus compliqué. Je me demande quand même où est-ce qu'il est passé, le méchant professeur d'école, parce que pour l'instant, je le vois pas derrière moi. Et hop là, mais les amis, s'il faut, en fait, c'est le... Vous savez, le monsieur là qu'on voit plus tout à l'heure, mais je pense qu'il a pas une tête de méchant. Il a l'air d'être super gentil, donc je pense qu'on a un autre et que bientôt, à la fin, on va le voir. En tout cas, là, ça sent vraiment que j'ai me gameler. Voilà, vous voyez? Non, en fait, ça va, j'ai eu la chance. Mais peut-être que c'est maintenant, en fait. Hop là, on grimpe, pourvu qu'il n'y ait pas du vide. Oulala! Ok.
Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va recommencer. Et là, cette fois-ci, on va essayer de pas sauter de trop haut. Du coup, je vais passer par la droite. Et hop, là, c'est bon. Mais non, mais les amis, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi je peux pas, en fait? Ok. Oh! Bah oui, en voiture! J'aurais dû y penser plus tôt. Allez, c'est parti! Ouh là 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 là. Bon, bah, je crois qu'il fallait peut-être pas faire comme ça. Et si je prends l'autre bouton, c'est quoi? Hop là. Et là, cette fois-ci, c'est... Oh! Un bus, les amis, un bus scolaire. Bon, bah, on va essayer dans le bus scolaire, voir ce que ça fait. Et direction... Direction la suite. Déjà, il arrive même pas à glisser, le pauvre. Oh non, pas en marche arrière. Pas en marche arrière. C'est moi, il est trop lourd, ce bus. Bon, les amis, la team Kito, je pense que là, on va devoir essayer le dernier transport. Et je me demande bien lequel ça va être. Je parierais plus sur un hélicoptère, peut-être. Bon, alors là, c'est quoi? Là... Ok, c'est encore la voiture. On va tester celle-ci. Hop là, ça a l'air d'être une tout-terrain. Donc je pense que celle-ci, elle va supporter le choc. Quoique je suis pas persuadée. En tout cas, on va essayer d'avancer encore un petit peu. Le moteur, il est en train de surchauffer, regardez. Oh, ça va prendre feu. Non mais comment je vais passer dans l'eau là? Je pense que si je la touche... Et ben voilà, vous voyez, je me suis noyée. Donc je pense que... Comment on va faire? Cette voiture, c'est la rouge. On va réessayer, les amis, on va réessayer. Mais comment on va s'en sortir? En fait, j'ai compris, il faut que la voiture, elle arrive. Oh là! Les amis, on a réussi. Comment dire? On a réussi! On est trop fort! Bon, je pense que là, c'était l'une des dernières étapes. Et là, bientôt, à nous, la liberté. Au revoir l'école, au revoir les professeurs méchants. Et puis, bonjour la liberté! Et on continue à courir. Franchement, là, je vois des palmiers. Ça sent la plage. Ça sent l'été. Et puis, j'espère que ça va être fini, là, en fait. Bon, on continue. Il faut sauter. Là, on est sur la plage. Je suis vraiment trop contente. Par contre, j'ai comme l'impression que c'est pas fini. C'est marqué winner. Donc, on a gagné, je pense. Mais regardez ce qui se passe, là. Hop là. Ok. Bouton. D'accord. Wouh! Wouh! Attention! Attention! Ok. Ok, bon, on atteint une porte, on dirait une espèce de porte secrète. Oh, est-ce que ça voudrait dire que par hasard j'ai gagné si je suis ici? En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si vous... Oula, mes choux, là. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre hobby et si vous l'avez fait, celui-là, en fait, tout simplement. Bon, ben, je vous fais plein de bisous.